Il n'a pas pu faire le déplacement. Pour les efforts quelconques, il a pu produire. Je parle d'un garçon qui a toujours eu la main sur le cœur. Je parle d'un garçon qui a toujours fait tout pour que son prochain se sente bien. Je me souviens, au début de notre relation, en 96, où je partais de la chapelle de Billy à pied pour m'entraîner à la SNH, sous les ordres du coach. Et chaque jour, il me disait, on va partir par la maison, tu vas manger quelque chose. Et je me battais pour que tu trouves 100 francs pour prendre ton bus et rentrer à la maison. Je me souviens quand c'était hier et je disais, à notre cher étant maman, qu'on était un bonbon, qu'on n'avait jamais mangé un risotto aussi bon que ce jour. Il me demandait de passer chez lui, mais il ne savait pas. Comment est-ce qu'il allait trouver de l'argent pour que je puisse rentrer chez moi? Mais en fin de compte, grâce à ses aînés du quartier, je me souviens bien du coiffeur qui était juste à côté, il réussissait à trouver 100 francs pour que je rentre à la maison. Vous voyez quelqu'un qui ne sachant même pas ce qu'il y a devant, il vous embarque. Parce qu'il sait qu'il fera tout. C'est à la fin. Vous savez, vous savez. Je veux dire merci à son nom, à tous ceux qui sont là. Je vais commencer par nos parents, parce que nous, on a eu l'habitude de les appeler parents, on ne les appelait jamais coach. Je parlerai de Domingo Cochapé, qui l'a appelé sous ses ordres depuis son temps d'enfant, qui est là, qui est passé au Saint-Thierry avant d'intégrer. La Kaïssa, où on a rencontré le coach d'âme, le coach Kaam, je n'oubliais pas le coach Atta et tout ce qui y était, le coach personnel, voyez quoi, à la Dynamo, avant d'intégrer notre verre aux gens. Celui pour que nous nous sommes toujours battus, parce que quand on a commencé dans les rues, c'était pour porter le verre aux gens. Et quand valeureusement, c'est pour l'heure. Je dis merci. Au coach Angébé, au coach Jean-Paul et après les gens, tous ceux qui nous ont engagés à la sélection. Donc je vous dis merci parce que vous avez aidé ce garçon qui est devenu une star nationale et internationale de par vos conseils. Je vais dire merci à mes élèves qui sont là parce que vous savez quel type de garçon. Il était. Même s'il ne voulait il vous fallait pas savoir, moi je partageais sa chambre. Et je savais que, de par vos attitudes, votre comportement, je l'appelais beaucoup. Et tricher, comme on dit, car c'est toujours beau de tricher ce qu'il était pour s'améliorer. Vous avez prodigué des conseils à ce garçon. Or, domaine footballistique. Parce qu'il est devenu un homme, il a battu une famille, il a fait de très belles choses pour des gens, même qu'il ne le connaissait pas. Je veux vous dire merci, parce que sans ce conseil-là, il n'aurait pas pu faire de très belles choses. Je voudrais qu'on garde vraiment le visage de ce garçon que je souviens, et vous le savez. Que même quand on finissait les stages en sélection, on savait que si un devait revenir, c'était Modeste. Parce que c'est lui qui mettait toujours de l'ambiance. Après l'aéroport, on n'arrivait même pas à faire la sieste parce qu'on se retrouvait autour de lui à rigoler. Et on savait qu'au prochain regroupement, il devait être là. Je voudrais qu'on garde ça. Ah, plutôt, c'est vieux. Il n'a pas compris tout ce qu'il avait comme projet. Donc, posons vers le Seigneur, acceptons-le, acceptons cette
décision qu'il a prise de nous enlever notre frère, ami, tonton, comme l'appelle tout le monde à la maison, et de dire que cet esprit, hein, il a toujours animé cette modestie, cette humilité, de là où continuer à descendre à Jaïs sur l'eau dans tous nos actes. Je voudrais dire que nous vivons dans un monde de haine, on ne sait pas pourquoi. On se prend la tête pour le coronavirus, oubliant qu'on peut partir d'un jour à l'autre. Hier, il y a un papa qui est là, parce que je l'appelle comme ça, c'est un coach. Quand j'ai fait un bagage, qui m'a dit, chaque jour, tu en as quelque chose à faire. Mettons de l'amour et sans de le faire bien. Ça, on ne sait pas quand on partira. Je vous exhorte, avoir un cœur d'amour, de paix et surtout d'avoir beaucoup de joie, comme celle qui animait ce garçon. C'est difficile, c'est très difficile, mais je sais qu'avec la force de ce guérir de lui de joie, il a pu accomplir beaucoup de choses. Il nous la laisse. Nous avons surmonté cette épreuve. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Qu'il nous permet de vivre dans la paix avec beaucoup d'amour. Et tout ce que je peux dire au nom de tous mes amis qui sont là. Tous ces gens qui t'ont accompagné, je vais d'abord partout où tu es passé à Douala. Nous t'aimons. Je parle avec toi, et tout à l'heure, tu es calme, tu es prêt, à la limite souriant. Nous te disons, merci pour toi, garçon, repose-toi, je sais que là-haut, quand tu sais le faire, avec tes talents, et tu as, tu joueras parmi les anges, la distribuer, la paix de la personne, et tu nous. Je vous dirai toujours, je suis avec vous, les gars. J'ai un plaisir. La somme en paix, propose-moi. Merci. Pour la suite, que le temps nous parle de nous. Je suis ici un représentant d'UNICEF.